Une lecture intéressante. Ça mérite d'aller jeter un coup d'œil. De Templiers ont tué mon mari et lui ont volé son alliance. Il mérite de crever. Vous dites que les Templiers ont attaqué votre mari? Ouais, il était en train de déraciner une souche. Ces dégénérés savent même pas faire la différence entre une pelle et un bâton de mage. Faut pas prendre de risques, qu'il disait. Les rebelles nous tombent dessus sans arrêt. Bande de barbares. Ils lui ont volé son alliance. Au cas où elle serait magique. Au revoir. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une éclaireuse de l'Inquisition? Une elfe du nom de Ritz. Vous dites que vous êtes sans nouvelles de votre amie? Elle était censée aller voir des apostats. Si je n'étais pas en service, j'irais à sa recherche. On se voit plus tard. Ce serait un bon emplacement pour monter le camp. Rien à signaler, noble dame. Rien à signaler, noble dame.
ce foutu voleur. Mage contre Templier, avec des innocents pris au milieu. Il y a des choses qui ne changent pas. Templiers déserteurs. Vous aimez ça, bande de cul? Mais sans votre intervention, je serais morte. Vous avez besoin de quelque chose? Je ferais peut-être mieux de rentrer. Eldreda, oui, je crois que c'était son nom. Enfin, j'ai entendu d'autres apostats appelés comme ça. Il y avait un pique-nique ici. Oui, la mage devait être à la recherche de magie du sang. Les Templiers ont attaqué l'apostate. Je me suis retrouvée coincée au milieu. Bon, pour tout vous dire, j'ai peut-être un peu batifolé avec Eldreda. Les Templiers sont venus troubler votre petit pique-nique, c'est ça ? On était... Oui. Au début, c'était juste une mage qui m'a vue et n'a pas attaqué. Et puis après,
Dites, vous allez me dénoncer ? Alors là, petite, si vous arrivez à faire tomber la culotte d'une apostate en pleine guerre, vous avez un don. Ce serait dommage de ne pas s'en servir. Nouer des contacts, récolter des informations, aider l'Inquisition. Et on sera muets comme des carpes. Très bien. Je devrais en être capable. Et merci pour votre clémence. Rien à signaler, noble dame. Ritz, bon sang, où est-ce que t'es ? J'ai retrouvé Ritz, et je l'ai sauvée d'une attaque des Templiers. Elle va bien. Merci. C'est gentil d'avoir pris le temps. La région est dangereuse pour tout le monde. Heureusement que l'Inquisition essaie d'arranger les choses. Thank you.
Ce n'est plus une guerre à ce stade. C'est chacun pour sa peau, les mages contre les Templiers, contre le reste du monde. Les apostats ont fui vers les collines. Vous avez donné une bonne leçon à ces routes. Les gens ont plus ou moins deux fois avant de s'en prendre à l'acquisition Bizarre. Où est-ce que ça mène?
Vous savez, les nains n'aiment pas tous les grottes. Rien à signaler, noble dame.
Merci encore d'avoir sauvé Ritz. Méfiez-vous des Templiers! Ils tuent sans aucun discernement! J'ai trouvé cette alliance sur un Templier que j'ai tué. Oui, c'est elle! Soyez bénis, vous et l'Inquisition, pour avoir vengé mon mari! Ça ne le ramènera pas. Mais son esprit peut reposer en paix, tout comme le mien. Tenez, dites à Mère Gisèle que c'est tout ce que je peux lui donner. Le Créateur vous bénisse. Trop de blessés. Mon créateur, juge-moi à son détour. J'ai entendu dire ta grâce. Qu'il y avait un monde avant. Quelqu'un aurait osé demander ? Réponds non, je ne crois pas. Ah, Damada, puis-je vous parler ?
Que vous a-t-on rapporté, Leliana? Avez-vous de nouvelles informations? Non. Rien. À votre service. Voyons un peu ça. Boulot.
signaler, noble dame. De mages de talent. Je vous connais. On vous appelle la messagère d'Andraste depuis vos exploits à Dars. C'est vrai, alors? Le créateur ne m'a rien dit à moi. Je suis la messagère d'Andraste. Et vous prétendez avoir une influence sur les failles que le créateur a ouvertes dans le ciel? Je peux refermer les failles, oui. Alors prouvez-le. Montrez-moi que les failles vous obéissent. Qu'elles obéissent au Créateur. Faites-moi voir votre puissance. Votre culte, quelles sont ses croyances au juste? Qu'est-ce que vous pensez de ces événements? En s'effondrant, la chanterie a révélé ses imperfections. Le cantique de la lumière n'était qu'un mensonge. C'était arrogant de croire que des mortels pouvaient embrasser la volonté du Créateur. Désormais, on attend en silence. Le Créateur a ouvert le ciel. Il rappellera bientôt ses élus à la Cité d'Or. Au plaisir. On se reverra si le Créateur le veut. Ça ne m'étonne pas que des gens vénèrent la brèche. Ne serait-ce que dans l'espoir de l'apaiser. Le Créateur a déchiré les cieux.
les enfants. Excusez-moi, sur votre route, n'auriez-vous pas croisé une jeune noble dame blonde aux yeux vert clair? Dame Vélina devrait déjà être là. Nous voulons être ensemble pour l'arrivée du Créateur. J'ai trouvé le corps inanimé d'une femme en contrebas, avec une lettre. Cette lettre? Vélina est morte? Mais nous devions être ensemble. Le Créateur ne nous aurait pas séparés comme ça. Que vais-je faire maintenant? L'Inquisition a besoin de fidèles engagés, comme vous. Venez nous aider à rétablir l'ordre. Oui. Si des innocents meurent pendant que moi j'attends dans les collines, je servirai la volonté du Créateur par l'épée. Mes hommes et moi-même mettrons nos forces au service de l'Inquisition. Merci.
l'arme du Créateur, j'ai eu tort de douter de vous. Comment vous servir, messagère d'Andraste? Demandez à vos fidèles de recueillir toutes les informations qui pourraient aider notre cause. Entendu, messagère d'Andraste. Une poignée d'entre nous restera ici. Les autres iront accomplir votre volonté. Quand le Créateur vous confiera votre grand dessein, souvenez-vous de notre contribution. Les fidèles veilleront à accomplir votre volonté divine. Vos désirs sont des ordres. J'espère que l'Inquisition pourra trouver un moyen d'aider ces gens. Je suis heureux de vous voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez entendu la nouvelle? J'ouvrirai. Merci. Aidez-moi, ma femme va mal! Qu'est-ce qui arrive à votre femme? C'est le mauvais temps qui la rend malade. Elle suffoque, comme si elle avait des toiles d'araignée dans les bronches. Notre fils, Indel, prépare une potion pour qu'elle respire mieux. Il est le seul à savoir la faire, mais il a rejoint une secte dans les collines. S'il vous plaît, retrouvez-le et racontez-lui ce qui se passe. Sans sa potion, elle mourra. Vous avez la potion?
tout ce qu'il me reste comme pain. La nuit va être longue, et il va faire faim. Ces gens n'ont rien à manger ? On trouve des béliers en abondance dans les collines. C'est bon, c'est facile à cuisiner, et il n'y a pas de seigneur pour vous accuser de braconnage. Mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment. On tombe plus facilement sur des mages que sur des bestiaux. Bonne chance. C'est pas la chance qui va nous remplir l'estomac. N'aimez pas les Templiers, ma sœur ? Non, je connais leur but, mais... Bénis soient les soldats de la paix, champions de la justice. Bénis soient les vertueux, lumière des ténèbres. Dans leur sang est inscrite la volonté du Créateur. Alors c'est ça que vous attendez de nous ? Du sang ? Que l'on meure pour accomplir votre volonté ? La mort, est-ce là votre unique bénédiction ? Vous parlez au nom d'Andraste, non ? Qu'est-ce que la prophétesse du Créateur en pense de tout ça ? À quoi il joue ? Comment pourrais-je vous répondre ? Je suis aussi confuse que vous. Si ça se trouve, vous ne vénérez même pas le Créateur. C'est une chance, il est exigeant. La chanterie nous enseigne que le Créateur nous a abandonnés. Il exige qu'on se repente pour nos péchés. Il exige tout. Nos vies, nos morts. Justinia lui a donné tout ce qu'elle avait. Et il l'a laissé mourir. Je suis désolée. Sa mort vous affecte beaucoup. Pas seulement moi. Nous tous. C'était la divine. Elle guidait les fidèles. Elle les inspirait. Si le Créateur n'intervient pas pour sauver sa meilleure servante, alors à quoi il sert ? Avant, je croyais que j'étais une élue. Tout comme certains pensent que vous l'êtes. Je pensais qu'il avait de grands desseins pour moi. Je travaillais avec la Divine pour aider mon prochain. Mais elle est morte à présent. Tout ça pour du vent. Servir le Créateur n'a rimé à rien. Thank you.
Il y a sûrement d'autres grands projets qui vous attendent. Je peux vous aider à les trouver. Non, j'assume mon fardeau. Je suis navrée que vous ayez eu à me voir dans cet état. C'était un moment de faiblesse. Ça ne se reproduira plus. Allez, au travail. On discutera plus tard. Je vais maintenir la paix ici pendant que vous et les autres ferez appel à la chanterie à Val-Royau. Un conseil. Préparez-vous à répondre à des accusations qui seront légitimes. Rien n'avait de nom, ni les cieux, ni la terre, la ni l'océan. La bonne terre vous enverra de nouveau des attaques pour les blessés. Seul existait le silence. Révérente mère. Alors la voix du Créateur retentit. Au revoir. Premier vers. À bientôt. Et son verbe devint tout ce qui serait. Quelqu'un aurait osé demander ? Non, je ne crois pas. Ah, Dame Adar, puis-je vous parler ? Qu'est-ce qu'il vous fallait ? Eh bien, comme vous êtes Talvashov, les gens demandent... Vous avez grandi hors du territoire Kunari, mais... C'est délicat, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez du Kun. J'ai déjà pensé adopter le Kun. Je vous en prie, par pitié, que cela reste entre nous. Les gens demandent comment une Kunari pourrait être la messagère d'Andraste. S'ils y croient, ça les inquiète, et sinon, ça les met en colère. Ce sera laborieux de les convaincre de vos bonnes intentions. Ils accepteraient peut-être plus facilement la messagère Kunari s'ils connaissaient mon sourire ravageur. Je n'oublierai pas de le mentionner dans mes lettres. Bizarrement, votre passé de mercenaire n'indigne pas les foules. Au contraire, les gens inventent des récits extravagants sur vos exploits. Il n'y avait pas une troupe aux alentours qui crachait sur un coup de main de ma part quand une mission difficile tombait. Pour remplir un contrat, on pensait à Adar en premier. Je suis au courant. Liliana a trouvé une lettre du capitaine de votre dernière troupe. Il ne tarit pas d'éloges sur vos talents au combat, mais n'explique pas quel rôle vous y avez joué. Un ami d'un ami nous a procuré un baril de poudre de Gatlock. C'est un explosif. Les bandits contre qui on se battait ont découvert ça quand leurs renforts ont voulu traverser le pont. C'est... palpitant. J'espère que vous ne vous ennuyez pas, Adars, après tous ces exploits. Certaines personnes rendent mon séjour intéressant. Tant mieux. Vous me direz de qui il s'agit. Pour celles qui s'en remettent...
Envoyer la messagère parler aux prêtresses n'est pas une si mauvaise idée. Vous n'êtes pas sérieuse? Mère Gisèle n'a pas tort. Pour le moment, la seule force de la chanterie, c'est leur unité d'opinion. Et on devrait ignorer le danger que court la messagère? Demandons-lui. Qu'est-ce que je risque? On va simplement parler. Ne sous-estimez pas la puissance de leurs mots. Une foule en colère est aussi dangereuse que toutes les lames du monde. Je l'accompagne. Mère Gisèle disait qu'elle pourrait nous donner des noms. Profitez-en. Mais pourquoi? Ça n'a rien de bien. On n'a pas le choix, Léliana. Vu la situation, personne ne va nous aider à refermer la brèche. Servez-vous du peu d'influence qu'on a pour rassembler les prêtresses. Ensuite, on avisera ensemble. La cité est toujours en deuil. Chercheuse, ils ont tous l'air de savoir qui on est. Votre sens de l'observation m'impressionnera toujours, Varric. Dame Messagère? Vous êtes au service de Léliana. Qu'est-ce que vous avez découvert? Les mères de la chanterie vous attendent, ainsi qu'un grand nombre de Templiers. Il y a des Templiers ici? Les gens semblent penser que les Templiers les protégeront de... l'Inquisition. Ils se rassemblent à l'autre bout du marché. Je crois que c'est là que les Templiers veulent vous rencontrer. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Ils veulent protéger les gens de nous? De l'hérétique messagère d'Andrasté, plutôt. Ils ne peuvent pas penser à une chose pareille. Pourquoi? Ce ne serait pas les seuls. Vous croyez que l'ordre est rentré au bercail? Pour s'occuper de nous autres, les parvenus? Je connais le seigneur chercheur Lucius. Je ne l'imagine pas prendre la défense de la chanterie. Pas après tout ce qui s'est passé. On fait tout ça pour que les Templiers nous aident à refermer la brèche. Et si on s'en servait pour les rallier? Peut-être. Retournez à Dars. Quelqu'un va devoir les prévenir si on a du retard. À vos ordres, madame. Thank you.
après l'œil. L'Inquisition est ici. Oyez, oyez, habitants de Val-Royaux. Nous pleurons tous notre divine. Son cœur innocent et magnifique, réduit au silence par traîtrise. Quel sort sera réservé à son assassin? Je vais vous le dire. Voyez la soi-disant messagère d'Andraste, qui prétend remplacer notre divine. C'est une fausse prophétesse. Voilà ce que c'est. Cette Kunari pervertit la parole du Créateur. Nous sommes venus en paix, pour parler. Et voilà comment vous réagissez. Je vous en conjure, discutons et éliminons cette terrible menace. C'est vrai. Tout ce que veut l'Inquisition, c'est mettre un terme à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Les Templiers sont revenus à la Chantrie. Ils combattront cette Inquisition et rétabliront l'ordre pour le bien de tous. Oh ! Non, elle nous est inférieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Son autorité est une insulte, tout comme la vôtre, en fait. Seigneur chercheur Lucius, nous devons absolument nous entretenir avant... Qui vous a autorisé à vous adresser à moi ? Seigneur chercheur ? Vous créez un groupe hérétique. Vous élevez un pantin au rang de prophète d'Andraste. Vous devriez avoir honte. Honte à vous tous ! Les Templiers n'ont trahi personne en quittant la Chantrie pour combattre les mages. C'est vous qui avez échoué. Vous qui entravez la justice par le doute. Vous êtes venu faire appel à la Chantrie. Trop tard. Le seul destin qui mérite le respect, c'est le mien. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une alliance pour sceller la brèche. Oh, la brèche est effectivement une menace, mais vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais, Seigneur chercheur, et si elle était bien l'envoyée du Créateur? Et si... Silence! Votre mission est d'une importance supérieure. Je ferai de l'Ordre des Templiers un puissant rempart contre le chaos. Nous méritons indépendance et reconnaissance. Vous ne m'avez rien prouvé. Et votre Inquisition, encore moins. Templiers, Val-Royaux ne mérite pas notre protection. Partons. Un garçon charmant, n'est-ce pas? Le seigneur chercheur Lucius est devenu fou? Vous le connaissez bien. Il a pris la direction des chercheurs de la vérité il y a 2 ans maintenant, à la mort du seigneur chercheur Lambert. Il a toujours été honnête, sans jamais céder à l'ambition ou à la démagogie. C'est vraiment bizarre. Apparemment, on peut faire une croix sur l'aide des Templiers. Je ne les enterrerai pas si vite. Dans tout l'ordre, il doit bien y en avoir quelques-uns qui ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Quoi qu'il en soit, il faut rentrer à Dars pour en informer les autres. On est à l'aube d'une... Qu'est-ce que c'est? Un message accroché à une flèche?
Eh bien, en voilà un changement. Vous trouverez sans doute des alliés. On devra explorer les lieux. Le silence a envahi les cieux. J'ai compris alors. Et de honte, je me suis dit. Thank you.
Je pense que ce messager... Vous êtes la messagère d'Andraste, n'est-ce pas? J'ai une invitation pour vous. Vous auriez un moment à m'accorder? Grande enchanteresse Fiona? Le chef de la rébellion des mages? N'est-ce pas dangereux pour vous d'être ici? J'ai entendu parler de ce rassemblement, et je voulais voir la fameuse messagère d'Andraste de mes propres yeux. Si vous cherchez de l'aide pour refermer la brèche, mes camarades sont peut-être votre meilleur espoir. Je m'étonne que le chef des mages n'ait pas participé au conclave. Oui, vous étiez censé y être, mais comme par hasard, vous avez échappé à la mort. Tout comme le seigneur chercheur, vous remarquerez. On a tous les deux envoyé des négociateurs à notre place au cas où il s'agirait d'un piège. Je ne vais pas vous dire que je regrette d'être en vie. J'ai perdu de nombreux amis ce jour-là. Je n'en reviens pas que les Templiers puissent s'en sortir aussi facilement. J'espère que vous ferez quelque chose. Les mages refusaient jusque-là de parler à l'Inquisition. Pourquoi vous avez changé d'avis? Parce que je sais maintenant qui vous êtes, et j'ai vu le vrai visage de la chanterie. Je viens seulement vous inviter à Golfalois. Venez rencontrer les mages. On a tous à gagner d'une alliance, après tout. J'espère vous y voir. À bientôt, messagère. On ferait mieux de rentrer à Dars. Ils veulent protéger les gens de nous? Retournez à Dars.
trouve de meilleurs chevaux, vous croyez que ça fera une différence?